Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare et aujourd'hui pour un petit gameplay au sniper. Et oui, il n'y en a pas eu encore. C'est vrai que là, bon bah avec la naissance de mon enfant il y a deux jours, c'était le timing. Donc du coup bah j'ai pas pu trop jouer plus que ça. J'aurais aimé proposer plus de vidéos, mais voilà, on fait comme on peut. Au moins on peut jouer, c'est l'important. Et également pour ceux qui attendent le deuxième épisode de la campagne, il arrive ce week-end, il est prêt, il est en train de faire le rendu, etc. Boum, multijoueur, gameplay au sniper. Sniper que je n'ai pas présenté encore, puisque c'est un sniper qu'on pas présent lors de la bêta, un sniper HDR. De toute façon, il n'y en a que 3, Dragunov, HDR et AX50. On pourrait considérer même qu'il y en a un quatrième avec le Kar 98, parce que voilà, c'est quand même un snipe, même si c'est dans la catégorie des fusils tactiques. Donc le Dragunov, c'est un semi-automatique. Là, on va rester pour un fusil de précision anti-matériel à verrou qui accueille des munitions de calibre 12,7 x 108 mm. Enfin, je suis en train de lire ça, je comprends absolument rien à ce que ça veut dire. En gros, c'est une arme qui est lente à viser. Quelle surprise! C'est vrai que sur Modern Warfare, on va dire que les snipes, on n'est pas trop gâtés cette année en termes de mobilité, fluidité, exécution, quickscope, etc. Encore faut-il avoir les bons accessoires. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui vont commencer à jouer avec l'HDR, je pense qu'ils vont un peu souffrir, hein, jusqu'à temps que tu débloques cet accessoire-là, la crosse, qui te permet d'avoir une visée accélérée. Alors je suis sûr qu'il y a encore pas mal d'autres accessoires qui te permettent d'augmenter la rapidité de visée. Pour le moment, je ne les ai pas. Allez, c'est parti! Domination sur Gunrunner. Je pense que Gunrunner, ça doit être l'une des meilleures maps sur le jeu actuellement, parce que c'est l'une des maps qui est la plus proche des maps qu'on a l'habitude d'avoir sur Call of, et la moins déstabilisante et la plus facile à prendre en main. Et c'est un petit peu la frustration qu'on peut avoir à certains moments, comme le style des maps est très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Automatiquement, on est un peu paumé, on fait un peu de la merde, on se fait un petit peu défoncer, les mecs campent parce qu'ils sont complètement paumés aussi, et finalement l'expérience de jeu est pas optimale. Je pense que c'est quand même un temps d'adaptation à avoir pour arriver à bien prendre le jeu en main, et une fois que ça sera là, j'espère en tout cas que ça ira mieux. Okay. Sécurisation du point, bravo. Okay. On a besoin de vous au point A. Au point A ? Bravo est à nous. Malheureusement, il n'y a pas d'inspection sur les armes sur MW. Je dis malheureusement parce que c'est vrai que ça aurait été quand même plutôt sympa. Sachant que les armes sont bien modélisées, les camouflages sont jolis, ça aurait été cool. Merde. Malheureusement, le shoot n'était pas là. On va essayer de récupérer le point B. Il contrôle deux objectifs. Là, il est où le gars là ? Il est où le gars là? Ah. Bon, déjà le petit moins 2 il fait plaisir. Allez, on va mettre silence de mort. Sécurisation du point, bravo. Wouah, merde, c'est pas ça que je voulais ramasser. Et je crois qu'ils ont un radar. Ah, c'est bon, ils ont B. Ah, bien joué. Enfin, ils ont B, on a B. Ah, merde! Il y en avait un à droite, il y en avait un à gauche. Dommage, dommage, dommage. J'essaie de me concentrer un petit peu parce que forcément, pour ceux qui ont joué au snipe sur le jeu, c'est pas évident. C'est pas évident, donc ça demande un petit peu d'entraînement, de concentration et tout ce que tu peux imaginer. Ça lag un peu là. Ça a lagué un peu là. Tu me l'avais pas à l'envers. Ah, il y a eu un petit ralentissement. Bon, c'est rare. Généralement, je trouve que le jeu tourne quand même assez bien. Alors j'ai pas mis chargeur amélioré parce que soi-disant chargeur amélioré te fait viser plus lentement. Voilà. Voilà. Merde. Il contrôle deux objectifs. On voit que dalle. Ici Falcon 3-0 Oberst. Radar personnel ennemi. Le drone est à court de carburant. Il rentre, se ravitailler. Y'a un gars là-haut, je vois un point rouge. Où est-ce qu'il est en fait? Attends, on va mettre silence de mort. Et y'a pas son arme? Le drone est à court de carburant. Il rentre, se ravitailler. T'entends tellement fort les bruits de pas que quand t'as silence de mort, les gens sont paumés quoi. Dès que t'as silence de mort, les gens sont paumés. Ben voilà. On va arriver sur le point B. Ok, prends A, B. J'ai plus beaucoup de munitions, je sais pas s'il y a un mec qui aurait une caisse de munitions, ça serait sympa.
écoute, jusqu'ici ça va. Bon, je parle pas beaucoup parce que j'essaie de me concentrer quand même beaucoup. Le plus possible. Mais... ils sont... Red Alpha. Ouais, ils sont là, hein. L'ennemi a déjà fait la moitié du boulot. Ouais, je comprends pas. D'accord, ok. J'ai l'impression que ça tourne d'une façon différente que... tu vois, les mecs vont pas vers B, quoi. On a capturé le point, Charlie. Ennemi au niveau des bois. Précision ennemi en approche. Et là c'est parti sur des... What? What? C'est quoi ça? Mec, je lui tire dans la tête, non? Mais... t'es sérieux qu'il est... ah voilà, démantelé. Attends, je t'ai vu à gauche. Waouh. Merde, le point B. On va perdre le point Bravo. On a perdu le point Bravo. Adam. Ennemi au niveau des bois. C'est bon. Drone allié activé. Tiens. Silence de mort. Putain. Bon là j'ai pas le snipe malheureusement. Pour la circonstance mais... on va prendre le point Bravo. Ça respawn pas là. Hein. Ok. Bah vas-y, hein. On balance les streaks. Hein. On va balancer ça. Sur le point A. Ah non mais le point A on... ah merde ouais, dommage. Ouais, j'aurais voulu. En vrai, je pensais le point C sur C, mais en fait, non, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ok. On va balancer l'hélicoptère. Et c'est bon. Voilà, let's go. Bon, c'était pas des kills au snipe, mais c'était des kills quand même. Hein. Il était où lui? Mais what? Comment je l'ai pas vu ça? Elle est quand même cheatée ce truc, parce que tu vois, tu tires sur la tourelle tout à l'heure, j'ai voulu tirer dans sa tête. Et la balle, c'est comme si elle passait pas. Vas-y, repensez. Voilà, on tient Charlie. On a B. On peut la gagner. Et c'est assez serré, mais on peut la gagner. Ça serait pas mal. Coincé déjà. Ah, les mecs ils perdent pas de temps. Ennemi près des bois. Drone radar personnel. On a perdu le point Charlie. On a perdu le point Charlie. Ouais, j'ai pas eu le choix. Drone paré. On prend Charlie. Là, il faut essayer de la gagner. Mais je sais pas par où ils passent, mais ils sont quand même assez filous. Ça joue l'objectif, c'est bien. Et c'est vrai qu'en match à mort, j'ai l'impression que ça campait énormément. J'ai l'impression que ça campe quand même un peu moins en domination où les gens vont jouer l'objectif à certains moments. Je sais pas s'il y avait un mec qui peut être derrière, mais je crois qu'ils sont derrière. C'est pour ça que je les vois pas. Je vois les points rouges, mais. Oh la triple kill, bien joué. Faut que j'arrive à passer derrière eux. Hein. Ah, ils prennent C encore. Bah oui, on a pris A de toute façon. Bah voilà. Et ça, du coup, sa tourelle, je peux lui prendre à lui? Ah non, pas l'impression. Il faut récupérer B, mais je pense que ça va pas suffire. Ah, au moins il y a eu les petits kills. Allez, on tient B. Je trouve que le spawn... ouf, ah, il est passé un. What? Il était là en train de camper! Ah non, il campait pas. Merde, prenez A, prenez A. S'ils arrivent à prendre A, mec, c'est magnifique. Ça fait deux fois que je respawn là et qu'il y a un gars juste là. C'est quoi ce délire, quoi? La défaite est dommage,
Mais la game était quand même sympa. C'est un peu le bilan qu'on pourrait faire sur le jeu actuellement, c'est-à-dire que ça manque de maps traditionnelles Call of Duty pour arriver à faire notre gameplay traditionnel Call of Duty. Sur des maps comme ça, on peut le faire, mais ça manque un petit peu. Et malheureusement, il y a pas mal de maps qui sont propice à la camp, donc les gens campent et la camp appelle la camp, et malheureusement il y a des fois bah c'est pas si fun que ça, alors que le jeu et les sensations du jeu sont vraiment excellentes, mais que malheureusement on peut pas vraiment exploiter ça correctement parce que les maps te laissent pas exprimer le gameplay qu'on pourrait avoir avec tout ce qu'il y a possible de faire. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, c'était tout pour ce petit gameplay au sniper qui slash hog que j'ai ramassé par terre, mais finalement c'est quand même assez difficile à certains moments de jouer uniquement avec le sniper, vu que l'arme est quand même relativement lente à viser, mais il y a quand même moyen faire du petit sale avec. Et de toute façon, c'est un petit premier gameplay préliminaire, le jeu vient de sortir, on va continuer à jouer, on va continuer de geeker, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et derrière bien évidemment faire plus de gameplay. Et bah, je sais pas encore comment que ça se passe pour les camouflages en or, parce que ça a l'air d'être assez long à débloquer, mais en temps voulu on en reparlera. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé mon moment. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à la vidéo, le gameplay, le jeu, bref, tout ça en dessous de la vidéo par commentaire. Maximum de pouces bleus, de likes, c'est plaisir, c'est la récompense. Ma part, je vous laisse, je souhaite une excellente journée, que du bonne chose, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.